Qui va t'appeler prophète alors que tu n'es pas prophète? Parce que tu vois dans le monde spirituel. Quiconque prie en règlement, quiconque t'essaie dans le règlement, il expérimente les choses spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, à l'un sera donné un don de sagesse, à un autre un don de parole de connaissance, à un autre le discernement de l'esprit, à un autre la foi, à un autre le don de miracle, à un autre le don de guérison, à un autre le don de prophétie, à un autre le diversité de langue, à un autre le prier en langue et l'interprétation. Frère, si tu te mets à prier en langue, comme je viens de te le dire, les dons vont se manifester de façon puissante, de façon réelle. Et aucun sorcier ne peut rayer au milieu de vous. Aucun démon ne peut rester ici. Je t'interpelle. Je t'engage à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as pu, tu as prié en langue, ce qui va se produire en toi, je vais te le montrer. Je suis venu te dire, le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Mais si tu pries dans l'esprit, régulièrement, chaque jour, tu as une heure de temps. Chaque jour, tu as deux heures de temps. Et le vendredi ou le samedi, tu rentres tôt pour dormir. À partir de 21h, va te coucher. Ne regarde pas la télé. Ferme ton internet. Couche-toi à 21h. Quand il est 4h du matin. Et il est 3h du matin, lorsque tu t'es réveillé, peut-être que tu as envie d'uriner, va uriner. Lave ton visage. Viens t'asseoir. Ne chante pas. Prie en langue. De 4 à 6h du matin. Tu vois ce qui va se passer? Il faut avoir cette habitude. Je vais te dévoiler un secret. Et c'est ça qui fait la vie chrétienne. Tu le veux ou tu ne veux pas, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer à avoir des anges clairement. Et si Dieu fait grâce, tu verras Jésus t'apparaître. Je te révèle le secret, c'est clair, c'est ça. On ne me cache pas mes choses. Aujourd'hui, on va arriver là. On n'a pas le droit de cacher les secrets. Je suis venu te libérer cela. C'est un message puissant. Et tu dois t'accrocher. Si quelqu'un prie règlement en langue, chaque jour, sans se relâcher, avec persévérance, voici ce qui peut lui arriver. Nous lisons dans Esaïe. Esaïe, le verset 11. C'est ça qui peut t'arriver. Si tu pries en langue, constamment, comme je te dis, ce qu'elle te dit là, moi je pratique ça. Ce qu'elle te dit là, je pratique ça. Non, ce qu'elle te dit là, je pratique ça. Ce matin, je me suis arrivé à 3h30. Je n'ai pas dormi jusqu'à 7h. Mais là, ce qu'elle fait là-bas, je te dirai pas. Il faut d'abord que je prie en langue. Et c'est mon habitude. On ne peut pas jouer avec ça. Hein. Si tu fais comme ça, aucun sorcier ne peut manger tes enfants. Toi-même là, tu n'es pas mourir par accident. Jamais. Alors, nous allons lire. Esaïe 11. Voici ce qui va t'arriver au verset 2. Dis l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Dis Amen. Lorsque tu pries en langue régulièrement, l'Esprit du Seigneur Jésus va reposer sur toi. L'Esprit du Père va reposer sur toi. L'Esprit de la parole de Dieu repose sur toi. L'Esprit de vérité repose sur toi. C'est une évidence. C'est quelque chose que tu vas expérimenter. Alléluia. Amen. On continue. Il dit cet esprit qui est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Qui vous a dit que quand quelqu'un parle en langue, quand quelqu'un prie en langue, c'est un débauché, c'est un impur, il vit dans l'impiété. Jamais de la vie. Si tu pries en langue, comme ça de t'enseigner, tu vas voir que ton cœur se déteste du péché, ton cœur se déteste la haine, ton cœur se déteste la colère. Frères et sœurs, lorsque tu pries en langue, l'Esprit de Dieu remplit ton cœur d'amour. N'est-il pas dit dans Romains, chapitre 5, verset 5, l'Esprit lui-même déverse dans ton cœur. Veste dans ton cœur l'amour de Dieu, l'amour du Père. Le Saint-Esprit se charge de déposer en toi la
l'amour de Dieu. Dis amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et quand on parle de l'amour de Dieu, quand l'amour vient en toi, l'amour c'est proche. L'amour c'est fruit. Tu verras la paix dans ton cœur. Tu verras la joie dans ton cœur. C'est ça l'amour. Tu verras le pardon. Tu verras le pardon de ton cœur. Tu verras la bonté. La bienveillance agir en toi. Tu verras la fidélité. Tu seras intègre. Tu seras loyal. Frère et soeur, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es persévérant. Le Saint-Esprit fait sa chose. Si l'Esprit habite en toi, l'amour de Dieu coule en toi. Frère et soeur, tu es doux. Tu es humble. Le Saint-Esprit t'enseigne ces choses. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, l'Esprit te conduit dans la maîtrise de soi. Il y en a qui disent, je n'ai pas de maîtrise de soi. Après, tu ne pries pas langue. Tu pries une heure. Tu ne pries pas deux heures. Tu ne pries pas trois heures. Tu ne pries pas quatre heures. Si tu pries aussi, soeur, la maîtrise de soi est une évidence de ta vie. Et c'est dans toutes les choses. Alléluia. Amen. C'est important, frère. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, il y a une distinction. Net. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois revêtu du Saint-Esprit. Sois saisi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui prient en langue normalement sont cibles à la voix du Saint-Esprit. Quand l'Esprit parle, ils sont sensibles. Lorsque tu pries en langue comme Jésus te le dit, je te mets au défi. Chaque jour, du dimanche à dimanche, trouve un temps pour prier en langue. En langue, tu ne parles pas français, tu dis pas Alléluia, tu pries en langue seulement. Tu pries en langue seulement. Pendant une heure, ceux qui veulent aller de l'avant, prie deux heures, chaque jour. Mais tu peux le faire, ma soeur. Tu peux le faire, mon frère. Si tu vas dans ta chambre, à partir de 21h, que tu pries 22h, 23h, tu peux dormir, non? Pourquoi tu peux rester jusqu'à 1h du matin, tu ne peux pas prier comme ça? Pourquoi pour te dresser là? Tu peux rester pendant 3h, en train de te dresser. Et pour toi, tu ne peux pas faire. Pourquoi à 16h, tu peux faire 28h, tu es en train de travailler là-bas, mais tu ne peux pas travailler pour ta vie. Frère, tu dois te remettre en cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière là est très importante. J'ai mon fils aîné, il s'appelle Enoch. Je l'ai enseigné à prier en langue. Je l'ai enseigné à prier en langue. Et par la grâce de prier en langue. Comme il est étudiant qui devait préparer ses cours, donc il n'arrivait plus à prier comme ça. Tout le temps en train de bosser parce qu'il il apprend tout par cœur, il bosse. Donc il ne priait pas bien. J'ai dit à ma femme, mon fils est refroidi. Prie pas trop. Quand je vois mon fils, Enoch, j'ai constaté que tu ne pries pas bien. Il dit, papa, ça me prend le temps d'étudier. Je me lève la nuit pour étudier. Il a dit, ok, prends courage. Pour te réchauffer, toi, revenir. Une nuit, il dormait. Et c'est ça que je vais vous dire. Si tu pries avec le bas langue, tu te charges. Même quand tu as des faiblesses, peut-être que tu te secoues. Il dormait une nuit. Et ça ne fait même pas deux semaines. Et dans ton sommeil, il se retrouve dans une rue et il voit deux jeunes filles. Il voit trois jeunes filles. Et qui sont vraiment habillées de façon sexy. Ils ont porté un pagne juste au niveau de la sein. Et puis elles sont très belles. Et tu as de faire des incantations. Tu as de faire des incantations. Quand lui les a vus et qu'il continue de marcher, elles sont venues toutes les trois vers lui. Et quand il a regardé, il y a une qui a saisi sa main. Comme il s'est débattu pour enlever pour arracher sa main, elle a soufflé sur lui. Écoutez-moi bien. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé véritablement. Frère, lorsque tu pries en langue, il te télécharge. Il s'est réveillé. Il dit, mais ça c'est quel rêve? Il était prêt à prier. Il dit, non, je ne prie pas. Je m'endormis. Non, il faut que je dorme. Il s'est recouché. À peine fermé les yeux. Il voit la jeune fille. Il voit la fille qui fait sa main. C'est étonnant. Hein? Il a commencé à chasser cette prière. À prendre autorité. Et à le renvoyer dans son sommeil.
voyez comment c'est quand tu parles en langue, les affaires. Et la jeune fille et ses soeurs ont disparu devant lui. Et puis il s'est réveillé à nouveau. Il dit voilà. Et il a commencé à prier là maintenant. Il s'est réveillé vers 3h du matin, il a pris son baptême. Quand il m'a dit ça, j'ai dit mon fils t'a délivré. Si tu n'avais pas fait ça, tu étais possédé. Et toi, comment tu as tombé dans le péché? C'est pourquoi certaines personnes, tu le vois, il était bien pris dans le péché. Il a fait des rêves et les choses sont passées. Frère et soeur, si tu es rempli de cet esprit, même dans ton sommeil, tu combats comme c'est en plein jour. Alléluia. Je vous exhorte à expérimenter cela. Et baptiser cet esprit, le feu. Le feu. Pourquoi je suis avec ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. En vous lisant 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Ah, je vous ai dit que je vais vous montrer comment. On va dans 5 minutes. On va lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je lis ça, puis je vous montre en 3-4 minutes comment ça marche. Parce que c'est important de voir ça. 1 Corinthiens, chapitre 14. Voilà, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc, quand tu parles en langue, même si ça ressemble à du charabia, même si ça ressemble à une langue barbare, quelque chose qui fait rire, c'est peu important. Tu as une fois entendu les Vietnamiens parler? Tu as une fois entendu les Vietnamiens parler? Vietnam, tu as une fois entendu la manière de parler? Moi, je l'ai déjà écouté parler. Si tu les écoutes pour la première fois, tu ne peux pas t'empêcher de rire. Tu as une fois entendu les Chinois parler leur langue là? Si tu ne comprends pas que tu écoutes, tu dois croire que tu es en train de se mentir. Pourtant, tu es en train de parler leur langue. Il y a plusieurs langues comme ça en Côte d'Ivoire. La plupart que tu entends, ces gens-là même, ils ne sont pas en train de se mentir même. Mon ami, c'est leur langue. Dieu a son langage. Si tu es né de Dieu, tu es un langage de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu te donne son langage. Et il dit, en effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Lorsque tu parles la langue, Satan ne le comprend pas. Les démons ne le comprennent pas. Les hommes ne le comprennent pas. Sauf Dieu seul comprend cela. Et il a fait de sorte que toi tu ne comprends pas cette langue-là, afin que tu n'interfères pas, afin que tu n'aies pas le contrôle sur ce que tu dis. Car c'est en esprit que le Saint-Esprit intercède pour toi. L'Esprit de Dieu est l'esprit d'intercession. Si tu as des problèmes, il faut prier là longtemps. Ça va te régler. Là, tu ne pries pas où? Un problème n'est pas. On va aller voir le prophète. Ton argent n'est pas envoyé ici. Tu vas aller chez le prophète. Va donner 50 000. Comment 100 000. Ok, ici, tu n'as même pas chiffre à ton pasteur. C'est pas bien. Faut prier pour délivrer. Et quand il commence à avoir des démons, il vient, mais faut prier pour manger. Il faut prier pour moi. Alléluia. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, certifie, exhorte. Celui qui parle en langue, certifie lui-même. Je te montre un secret pour avant d'avancer. Lorsque tu pries en langue, longtemps, à un moment donné, tu es assis, tu as les pensées de Dieu. Tu peux être assis. Et tu as envie d'aller visiter Maïmouna. Ça vient de ton intestement. Ça vient de ton intestement. Va lui rendre visite. Tu sens ça. Ma soeur, lève-toi. Va chez elle. Tu vois pas qu'il y a un problème qui est là. Quand Dieu t'appelle à résoudre. Tu as pris la langue. Tu pries. À un moment donné, tu vois ton oncle qui est au village. Tu ne penses pas à lui. Il vient de ton esprit. On dit selon Yao. Yao. Charabasu, Karapo, comment ça prie pour lui? Tu vas voir qu'il est en danger là-bas. Et l'esprit fera que tu pries pour lui. Prie là. Une heure. Il sera délivré. Tu vas l'appeler prochainement. Il va dire, il y a eu tel problème. Et frère, mais c'est pas comment. J'ai été délivré. Tu te rends compte que l'esprit prie pour toi. Alléluia. C'est important, frère.
quand tu pries en langue, quand tu pries en langue, quand tu vas devant quelqu'un, lorsqu'il est en train de te parler son problème, ses difficultés, quand tu ouvres la bouche, tu as une solution. Il guérit. Alléluia. Amen. Maintenant, on va terminer en 5 minutes. Je vais te montrer comment ça marche. Comment ça marche. Si le Saint-Esprit est assez important, il y a trois quatre choses que tu dois savoir. Première chose, tu dois être conscient de sa présence en toi. Faut dire au Saint-Esprit, Seigneur, sois conscient de ta présence en moi. Tu vas voir, Seigneur Saint-Esprit, rends-moi conscient de ta présence en moi, de ta présence avec moi. Rends-moi conscient de ta présence. C'est le fait que tu dois faire régulièrement. Pour t'habituer à ça. C'est en train de te laver, Seigneur, rends-moi conscient de ta présence. Que sois conscient que tu es avec moi. Que tu habites à moi. Quand tu dis, il va se manifester. Et tu seras conscient de sa présence. Deuxième chose, tu dois le reconnaître dans toutes tes voies. Tout ce que tu fais, il faut le reconnaître. Quand l'Esprit est en toi, l'Esprit te dirige. L'Esprit te conduit. C'est comme les soulards. Quand ils ont bu, l'Esprit qui c'est l'Esprit du feu qui les conduit. Il ne marche pas normalement. Il est conduit par qui? Par le feu. Si tu es rempli de cet esprit, l'Esprit te conduit. Si tu es à la maison, l'Esprit te conduit. Quand tu sors, l'Esprit te conduit. Quel que soit le lieu où tu vas, tu es conduit par l'Esprit. Pas croire que tu mets de toi-même, hein. Tu es conduit par l'Esprit. Ça fait le même effet. Comme quelqu'un qui allait boire, et par le pain, l'autre personne, elle peut marcher, aller tomber dans le caniveau, se lever, aller pousser dans un caleçon, tout ça. Caca sur lui. Pourquoi? Parce que le fait le contrôle. Si tu es rempli de l'esprit, tu vas te conduire de la même manière. C'est quoi le Saint-Esprit dit? La bouche de l'apôtre Paul. Ne vous enivrez pas de vin. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez rempli au contraire du Saint-Esprit. Soyez ivre du Saint-Esprit. Soyez ivre du Saint-Esprit. C'est important. Donc quand tu reconnais le Saint-Esprit, il commence à te conduire. Quand tu es conscient de sa présence, si tu es conscient de sa présence, il va te parler dans ton intuition. Il faut bien retenir ça. Il va te conduire dans ton... Tu seras très intuitif. Deuxième chose, il va te conduire par ta conscience. Si tu poses un acte qui n'est pas bien pour lui, ton cœur commence à faire tout. Ton cœur, tu sais que ce que tu as dit là, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Oui. Si tu m'as dans une voie où il y a un danger, tu vas voir que ton cœur commence à battre d'une certaine manière. Il y a une peur qui commence à te prendre. Quand tu arrêtes là, il sait rien que se passe. Il va te dire, pas de ce côté. Donc, toi, ça va clairement parce que tu échappes au danger. Et il te conduit par intuition, il te conduit par ta conscience, et il te conduit par ses pensées. Mais pour que ça soit efficace par rapport aux pensées, tu dois aimer la parole de Dieu. Une fille qui lit la parole de Dieu, une maman qui aime la parole de Dieu, qui s'habitue à la parole de Dieu, à la capacité d'entendre la voix du Saint-Esprit à travers sa pensée. C'est pourquoi il a dit dans Philippiens, le chapitre 4, verset 8, que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est vertueux, qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Soit l'objet de nos pensées. Et c'est par la méditation de la parole que cela arrive. Donc Dieu t'instruira à travers ta conscience, à travers tes intuitions et à travers sa parole qui vient de tes pensées. Ceux qui prient en langue l'expérimentent. Il faut t'accoutumer à ça. Il faut t'habituer à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je me reprends. Il faut que tu sois conscient que la présence de Dieu avec toi et en toi. Il faut que tu le reconnaisses dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Souvent tu veux sortir et tu sais que tu ne dois pas sortir. Il faut te calmer, reste là. Pas te précipiter pour sortir. Il faut être attentif à la voix du Saint-Esprit. Autre chose,
pour que le Saint-Esprit se manifeste et soit actif, tu dois apprendre à lui parler. Tu ne le pries pas, mais tu lui parles. Le Saint-Esprit, je vais acheter un terrain. Montre-moi, je peux prendre ce terrain-là. Il va te parler. Si tu prends le premier jour, ça ne va pas. Tu continues. Chaque fois que tu te rappelles de ton achat de terrain, tu dis, je te trouve, Seigneur. Montre-moi le terrain que je vais prendre. Parce que j'ai l'intention de prendre ça vers Belleville. Il faut lui dire ça tout le temps. Un jour, il va te dire, mon fils, c'est pas bon que tu prennes ce terrain là-bas. Je veux que tu prennes ça plutôt, je ne sais pas moi, à Kennedy. Il va te parler clairement. Apprends à interroger le Saint-Esprit. Tu vas voir, il va te parler. Donc le Saint-Esprit parle. Il faut que tu parles avec lui. Lui, t'es arrêté en train d'attendre un taxi, ça ne veut pas. Il dit, Seigneur, trouve-moi un taxi. Va vite, j'ai besoin d'un taxi. Faut que tu lui parles. Quand il voit que tu es conscient comme cela, il va commencer à te parler. C'est comme une femme que tu as chez toi. Elle ne te parle pas à la femme. Elle sera triste. Même si vous dépassez dans la chambre, elle sera triste. Mais quand tu commences à parler avec elle, elle aussi te parle. Tant que tu ne parles pas, le Saint-Esprit ne te dira rien. Il faut apprendre cela. Alléluia. Amen. Autre chose que je peux dire pour terminer, il faut apprendre à l'adorer. Il faut le valoriser. Je ne sais pas comment, il faut comme une femme. Quoi. Il faut le valoriser. Moi, vraiment, tu es excellent. Non, toi, tu es merveilleux. Quoi. Il n'y a pas ton Dieu. Moi, je suis fier de toi, Saint-Esprit. Et c'est étonnant, quoi. Il est content. Il a Dieu, puis il est content. Tu vois, je me demande pourquoi il est content comme ça. Moi, je me dis que c'est lui qui a fait nous dire, prends courage, sois fort. Mais lui, il attend qu'on lui dise ça. Il y a des gens qui ont expérimenté et vous dit, quand tu as pu prier là, va prendre le Seigneur Saint-Esprit. Je pleure Saint-Esprit. Oh, je t'aime. J'apprécie ta présence. Merci Seigneur. Fier de toi. C'est grâce à toi que Jésus m'a racheté. C'est grâce à toi que je vis. La santé que j'ai là, c'est toi qui me l'as donné. Saint-Esprit, je suis content. Ma sagesse n'est pas de moi-même. Ma sagesse vient de toi. Je suis fier de toi. Mes compétences que j'ai acquis en académie, en toute chose, c'est toi qui l'as voulu aussi. Je te bénis. Quand tu parles comme ça, il est fier. Et puis il augmente. Il ajoute. C'est comme ça. Et tu dois t'habituer à ça. Saint-Esprit de son. Mais fais le marché. Conduis-moi. Amen. Va prendre la prière. Si tu as une moto, dis Seigneur, je sors avec toi. On ensemble. Empêche qu'il y ait des heurts. Qu'il y ait un accident quelconque. Parce que tu es mon protecteur. Et tu sors. Il faudra qu'il n'aura jamais de problème. Mais toi, tu ne parles jamais. Il faudra qu'il sort comme ça. Et quand tu as un problème, tu dis que Dieu ne m'a pas gardé. Tu as parlé au Saint-Esprit ? Tu l'as parlé ? Amen. C'est important, frère. Voilà ce que je vais te dire. Et te courager dans la foi. On va s'éteindre de bonnes affaires. Donc, prends conscience de sa présence. Il faut que tu le reconnais à toutes tes voix. Même quand tu reconnais le, il faut dire merci Seigneur parce que tu fais concourir cette situation à mon bien. Je ne comprends pas ça, mais je te dis merci. Il ne faut pas être quelqu'un qui murmure, qui aime se plaindre. Il faut rendre grâce à toi en tout. Et tu vas voir Dieu te conduire. Il faut apprendre à lui parler. Parle au Saint-Esprit de ta situation, de tes besoins. On n'a pas de prier. Saint-Esprit, j'ai des besoins. Je le sais. Interviens. Il faut apprendre à lui expliquer à lui. Il faut apprendre à lui parler. Quand tu es là, depuis, il faut apprendre à l'adorer aussi. Je t'adore, Saint-Esprit. Je t'aime. Je t'apprécie. C'est ce que j'ai. C'est ce qui me l'a donné. Cette femme-là. C'est ce qui me l'a donné. Continue de changer son cœur. Visite mon mari. Fortifie-le. Ce mari-là. C'est ce qui me l'a donné. Et je vois que tu es en train de le changer. Il est content. Mais toi, tu dirais de ça. On va rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour la parole. Merci Seigneur. Prends grâce, faut dire Seigneur, merci pour la parole de Dieu. Merci pour la parole, merci Seigneur. Merci pour la parole, dis merci. C'est vrai que je vais prier un peu de temps, mais c'est l'essentiel. Faut dire merci au Seigneur. Je ne t'attends pas à prier. Faut dire merci. Que l'onction de prière, l'onction d'intercession repose sur ce peuple. La grâce de travail en vous, au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis et revêtus du Saint-Esprit. Soyez remplis et revêtus. Expérimentez le Saint-Esprit. Expérimentez sa puissance. Expérimentez sa grâce.
expérimentez sa miséricorde. Soyez remplis de cet esprit. Revêtus de sagesse et d'intelligence. Revêtus de conseil et de force. Revêtus de connaissance et de crainte de Dieu. Soyez remplis de cet esprit. Que l'amour de Dieu soit abondamment répandu dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis. Revêtus de cet esprit. Père céleste, Père de grâce, conduis ce peuple à la prière. À la prière en langue. À l'intercession en langue. À des cantiques en langue. À des chants en langue. À la louange en langue. Saint-Esprit, saisis le Seigneur. Il soit ivre de toi. Sois rempli du vin doux, du vin de ta présence, du vin de ton onction, Seigneur. Oh mon Dieu, visite le peuple. Touche chacun, Seigneur. Donne la capacité, la puissance, la compétence, la qualité de tout le nécessaire. Visite-les, notre Dieu. Et qu'ils reconnaissent leur identité, leur position, leur stress, leur